Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sous News ID. Nous voulons réagir sous dernière nouvelle, côté que justement, le président de la République dominicaine, eh bien, il a décidé de classer Claude Joseph comme persona non grata. Il a mis parmi la liste 12 gangs qui interdit pour rentrer en République dominicaine. Et plusieurs groupes ont réagi, journalistes, politiques, sous causé ça. Et nous-mêmes, nous pensons que c'est important pour nous dire, Mopan, écoute, guys. Et moi, il y a un mouvement là, et des groupes qui pas alliés de Claude Joseph. Ok? Moi, je pense qu'il y a des moments, quelle que soit la différence là, nous avons supposé faire une certaine solidarité. En fait, quand vous voulez pas vouloir, Claude Joseph gagne, nous bien dit un momentum en matière de représentativité lorsque nous avons parlé de dossier de discrimination de la République dominicaine par rapport à Haïti. À maintes reprises, justement, il remet Abinadel mon pièce. Abinadel mauvais. Non, on parle avec vous là, jusqu'à présent. Pas de vol. Pas de vol aérien entre Haïti et République dominicaine. Et puis déclaration de Claude Joseph qui. Pas jamais hésité pour classer Abinadel. À maintes reprises, il est comme ça, Abinadel, mauvais, fâché, ils font pile bagaille irrespectant. Vous comprenez? Mauvais, bon Jean mauvais. Quelque part, on dit, c'est une preuve de maturité de la part d'Abinadel. Ok? Donc, ça qui vient de passer là, c'est que Claude Joseph vient jouer, c'est ça lié. S'il est vrai que Swap 10, l'autre dit Moïse Jean-Charles, Moïse Jean-Charles, je dis, a joui de Sandar, il est un homme de terrain, il a parlé de mobilisation dans la RIA, ou bien de Aremel ou pas Aremel, mais c'est lui, il a besoin de mobiliser la RIA. Je dis, a qui tout remet Claude Joseph, qui tout Aremel, il a parlé de résistance, monde qui a campé, qui n'a pas fait sous qui a campé devant Abinadel pour dire, et ça casse ça, il a dit, bef là. Il a représenté ça. Et sa balle, qui a dit ça, là, on appui politique. C'est ça, vous comprenez. Maintenant, il y aurait du tout de bagarre avec politique. Et donc, pour certains monde, le fait que ça baille Claude Joseph, vous comprenez, on a plus politique, il y a paix pour que le mouvement ça pas fait M. Taral en bonne monde dans l'élection pour M. Tavine fort. Il y aurait du bagarre à la pure politique. Même parce que politique a toujours existé. Mais des fois, tout faut nous, ouais, l'intérêt commun. Si je retourne avec et Maurice Jean-Charles, nous sommes capables de gagner des accords. Mais il faut souvent gagner des mouvements qu'on fait qui permettent que soit les gens qui ont exploité ou reconsidéré position. Ok? Et bien que moi, je n'ai pas fait des points, je n'ai pas fait d'accord avec la violence, il y a des violences extrêmes qu'il a prêché. Mais il faut d'accord que plusieurs fois, il fait intervention, il porte des gouvernements justement à faire une remise en question de politique, à agir. Il porte à agir. C'est dommage en Haïti. Pour mon agir, c'est toujours des autres qui vous font. Maintenant, si nous retournons avec Claude Joseph, c'est ça lié. Donc, ça vous reconnaître. Et ce n'est pas tant le moment pour que c'est moi saisi pour moi en bon monde qui a profité de vos étoiles sur Claude Joseph pour dire monsieur dans la gang. Non, bah quoi ces moments ça. Mais la gang doit adverser politique. Oui. Yeah. Et je pense que ce n'est pas le moment ça. Pour que il n'a dit que lycée gang moi plusieurs journalistes il y a des journalistes que qu'aime gain respect pour eux que nous tout connaissons cap entrer dans logique ça à logique par eux il dit des pour Abinadel mettre dans gang c'est que il fait recherche lui c'est qu'il vérifie et que monsieur dans gang vrai c'est ça en pilote plusieurs postes a fait il dit parmi 12 gangs et parmi toute gang qui gain dans pays il y a Claude Joseph là dedans. Même si là, il faut nous être capable de gagner un sentiment de solidarité. Vous dites non, pas question. Abinadel, classé. Puisque, parce que les gars, il n'y a pas. On va pas besoin de passer midi à 14h pour comprendre que la réaction du président dominicain, c'est le fait que Claude Joseph est classé. Et il y a un dossier, je pense que Claude Joseph a parlé, causé bagaille de l'eau. Ça. Les gars prennent plusieurs là-dedans, ils prennent un petit. Pour la première fois, ils ont pris une prise. Ils ont eu l'air en on nous partage les rivières ensemble. Li pour moi, li pour vous. It just pas make sense. It just pas make sense. Maintenant, Claude Joseph, qui problème moi gagne avec? C'est peut-être que, n'après tout camp à ces derniers jours, tourné autour de la République dominicaine. Li présente tête li comme véritable défenseur
et pour discrimination République dominicaine. En deuxième, toute campagne tourne autour de ça. Moi, c'est moun qui vient de la République dominicaine réponse ça. C'est à ça, en deuxième, c'est une tawel dans l'élection. Alors là, même problème, moi, j'ai avec ça. Et nous pensons que nous avons des problèmes beaucoup plus profonds pour qu'on n'ait pas arrêté au besoin de DGPIA et que vous avez fait me comprendre, priorité au premier problème, c'est résoudre le problème de discrimination de la République dominicaine. Ce n'est pas un vrai problème. Ce n'est pas mon problème, oui. Mais, puis qu'à personne, moun, je ne dis pas, par le fait que vous avez joué momentum ça et que vous voulez bâtir sous lui et vous voulez faire ça, les motifs, éléments catalyseurs dans la campagne, nous avons des problèmes qui sont plus profonds. Il faut résoudre la caille. S'il est vrai que tout le temps a blasé nous, mais nous avons un problème la caille. Nous, mais je pense que si nous faisons une campagne sérieuse, il faut nous faire une campagne pour. En fait, message là, elle a supposé pour tout leader qui prétend que tu as dirigé le pays. Message là, justement, c'est rétablir l'autorité de l'État. Message là, justement, c'est fini avec ça. Nous, les gangs qui empêchent les gens de vivre dans le pays. En fait, nous constatons, tout le monde constate que Claude Joseph. Effectivement, dans le message, li, en fait, ou capable de dire entre guillemets, en campagne, il tourne autour de ça. Il est conscient que l'actualité, l'événement, joue dans la place et que li vle fait dans une éventuelle prise de pouvoir, bon côté parle, toute campagne est autour de ça. Nous pensons que, j'en nous dis, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds pour nous faire de bataille avec la République dominicaine, noyau de yon monde qui voulait prendre pouvoir. Mais maintenant, moi, je pense que c'est malheureux pour que des journalistes de renom, plusieurs monde, aient profité des situations ça, pour avouer Roche et aucun droit ni indifférence avec Claude Joseph. Moi, je ne pense pas que moment pour avouer Roche et quelque part. Il y a des points, monsieur Abdi, causé le fait que Jovenel Moïse était justement en prise pour irriguer Zonio et que ça a été fait mal et autres. Je pense que faut nous entendre, faut nous d'accord que gain des points d'intérêt et au-delà de différence nous pas capable de montrer division. Ça a été le cas en 2004. 2004 nous pas traité 200, ça veut dire une bagaille véritable patriote déchiré. 2004 nous pas fêter 200 ans de l'indépendance avec Aristide. Moi, je pense que nous avons tout problème avec Aristide. Mais il faut quitter nous célébrer 200 ans d'histoire. C'est nous la différence. Moi, je pense que nous ne pouvons pas détruire un bagage qui est aussi symbolique. 200 ans de l'indépendance, 7 ou contre les 7 ou voulez mettre la terre. Moi, je pense que, et par respect justement pour l'histoire, nous, nous sommes supposés dire alors là, c'est moment, c'est histoire, c'est un moment qui est important pour nous. 200 ans depuis l'indépendance. On fait camper, on respecte tout ça. Il n'y a pas de respecter le 1er janvier 2004, Nagui au prend la rue, il y a manifesté. Ouais, ok. Donc, nous, pas, c'est son problème là, quand nous. Son problème là, quand nous, pas qu'on ait des moments, malgré de différences qu'on a avec notre acteur, nous capables de faire solidarité, justement, pour nous défendre ça, pour nous classer Abinabel, whatever, Abinael. So, nous avons parlé du président de la République dominicaine. Non? Et je pense que Luis Abinadel, et justement, ça l'a fait là, c'est justement, ils ont causé pour le montrer force, tout simplement, mais il n'y a pas rien de logique là-dedans. En fait, nous voulons, en fait, loi en République dominicaine, lui permet qu'effectivement, ils empêchent mon entrée si mon nom gagne. Premièrement, record criminel. Claude Joseph n'a pas un record criminel, tout au moins pas officiellement. Et deuxièmement, si mon nom représentait une menace pour la sécurité nationale. Donc, pas aucune justification de décision, ça. Ok? So, je pense que c'est ça pour les acteurs, quel que soit mon nom en Haïti, et positionné. Pas aucune justification pour décision, ça. On est capable de gagner des divergences. Et j'aime dire, même divergence avec Claude Joseph, c'est le fait que livre statuer sous momentum, ça, simplement, justement, pour le présenter comme solution et au problème du pays. En clair, sur ça. Problème pays, il y a beaucoup plus profond. Donc, c'est comme ça que vous comprenez. OK, guys.